sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. The grass should've looked greener. I'd be a true believer in disguise if I'm loving you wrong. Short change and error receiving. Girl, you best believe me behind. 'Cause I'm over easy tonight. Steep the truth. Spit it out, I'm waiting. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Jean-Philippe il va démarrer son 4x4 pour aller faire ses petites courses. Alors ça fait quoi de démarrer son 4x4 une fois tous les week-ends? Hein? Une fois tous les week-ends. Ça te fait du bien? Ouais, ça fait. Et du si bien, je te dirais vas-y, prends le Zafira, c'est plus pratique parce qu'il est garé là-bas, tu prendrais quand même le... Non, je prendrais le 4x4. Pour le faire rouler un peu? Voilà. Bah ouais, normal. Parce que sinon les joints ils sèchent. Faut toujours faire rouler un véhicule, même quand non, mais il c'est est vieux. Vrai, exactement. Parce qu'il est vieux, le bébé, il a 21 ans. J'aime bien ce petit bruit là du 6 cylindres, vous entendez? Regardez. BMW. Ouais, mais si, c'est la BMW. Mais c'était peut-être bien la seule chose. C'était peut-être bien la seule chose. Je vais y arriver. C'était peut-être bien la seule chose. Pierre, non, mais tout le monde je vais pas y arriver. Donc, c'était peut-être bien la seule chose. C'était peut-être bien la seule chose. Putain, merde. Chose. Voilà, là-bas. Aptitude. Exercice des chocolats. C'est peut-être bien la seule chose. Je vais pas y arriver, merde. C'est peut-être bien la seule chose fiable qui montait sur ces voitures. Ouais, j'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Jean-Phi, il va monter le treuil, regardez. Il est, enfin, il va monter le treuil, ouais, le branchement. Il est fin. Oh, tu fais pas caca dans le garage, chouchou, voyons. Non, ça passe pas dans attends. Voilà, il est entièrement peint. J'ai mis des durcisseurs, donc une couche d'aluminium et puis une couche de peinture définitive qui est encore une couche anti-rouille, hein, au cas où, comme ça au moins on est tranquille. Sachant que la plupart des cornières sont galvanisées, donc ça c'est pareil. Avant que ça rouille, il va s'en passer du temps. Voilà. Et moi, je vais peindre l'intérieur du camion, ouais, bah, parce que la fibre est finie, vous avez vu sur la dernière vidéo. Tout est posé en fibre et tout. Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit, tu fais pas autant de couleurs que là. Arrête, elles voient pas les couleurs. Je vais finir de peindre et on a peint la chèvre aussi, parce qu'il me restait de la peinture. Comme ça, elle est belle. Allez, c'est parti, on se met au boulot. Jean-Philippe, il a ouvert le treuil pour regarder si tout était bien branché. Et heureusement qu'il a ouvert parce qu'il y avait un petit fil de masse qui était quasiment en train de toucher un gros plus. Et ensuite, il a enlevé le plus d'origine pour rallonger avec directement un grand câble de environ 6-7 mètres qui était déjà sur le camion pour le haillon qu'on a gardé, qu'on a conservé. Jean-Philippe est bien en train de sécuriser l'installation électrique. Il est en train de mettre de la gaine thermorétractable sur le plus pour justement, quand ça sera à l'intérieur du boîtier, pour éviter qu'il y ait un ou deux fils qui se touchent. On sait jamais quoi. Voilà, c'est vraiment une mesure de sécurité pour pas y revenir dans 6 mois, pour être tranquille. Jean-Philippe va aussi installer un fusible de 125 ampères pour sécuriser l'installation parce que d'origine il n'y a pas de fusible qui est fourni avec le treuil. Je dois aussi agrandir les trous d'origine de la platine car ils sont plus petits que les écrous d'origine et je me suis servi de la machine de guerre de Jean-Philippe pour faire les trous, donc autant vous dire que là je fais pas le malin, je gaine bien mes bras et je fais ça sérieusement parce que la machine elle nous emporte. Elle est extrêmement puissante. Le treuil est fixé des deux côtés si bien dans la tirée que dans la poussée, si on peut dire ça comme ça. Jean-Philippe est en train d'installer toute la gaine de plus qui va aller jusqu'à la batterie. Donc il installe ça proprement et ça viendra en attente au niveau de la batterie parce que le coffret à batterie sera déporté ensuite légèrement plus bas. Un petit 20, allez, entre 20 et 25 mètres, quoi. Tu veux appuyer sur la télécommande, chouchou? On va l'enrouler. On va l'enrouler ensemble. Attends, faut que les bandits voient. Vas-y, enroule. T'y vas, tu t'arrêtes pas.
Encore un tout petit chouille. Hop, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà ce que ça donne, mes chers petits bandits. On est prêts à aller tirer des 4x4 dans la bouillasse. Hein ? Ou nous. Ou nous, ouais, c'est clair. Non, puis c'est bien pratique d'avoir un troll à l'arrière. Parce que bah, quand vous enfoncez, des fois, vous posez juste comme ça, pff, devant. Et si vous n'avez qu'un treuil de devant, il faut re-rentrer dans la terre pour vous ressortir et tout, c'est galère. Alors que si vous gérez bien, vous n'avez pas fait gaffe, vous êtes posé, hop, vous sortez par l'arrière et après vous reprenez un autre chemin et puis voilà quoi. Il n'y a pas que ça aussi. T'imagines, tu t'embourbes, mais que tu as un arbre derrière mais pas devant. Eh ouais, exactement, ah ouais. Ça peut servir. Hein. Tu peux mettre une poulie de mouflage à droite. Il va falloir qu'on achète une grosse poulie de mouflage. Je ne sais pas s'il en faut une ou s'il en faut deux. Voilà. Allez, on va le faire rouler un petit peu, le pépère. Hein. On va faire rouler, rouler sur son terrain, hein. On va pas, on roule pas sur la route. Je précise, attention, n'allez pas me dénoncer. Bon, on va essayer le treuil alors. Hein. Les petits gants sur ma plateforme. Hein. Ah, donc là, c'est vraiment très bien d'essayer. Moi, je vais vraiment surveiller le treuil, mes supports, voir s'il bouge. Et parce qu'en fait, il est vraiment planté, le truc. Et là, on voit bien que ça force. On a déjà tordu toute la ferraille. Et en tout cas, lui, le treuil, il y va. Il y va, en tout cas. Bon, et eh bien voilà, et c'est plutôt concluant, je vais aller vous faire voir, ça a tout tordu la ferraille, c'est un truc de dingue. Vous voyez ce que ça donne de derrière ? Non, je pense pas. Bon, bah, le camion il a un souci quand on fait les gros croisements de pont. En fait, le levier de vitesse il est tout mou. Et Jean-Philippe il est coincé là. Regardez, c'est trop marrant. Et là, on a fait un sacré croisement. Vous avez vu ce que ça donne ? Dingue ! Dingue ! Ça y est, c'est fini. Bon, regardez pas là-bas, c'est un peu cracra. Voilà, donc là, je vais faire tous les joints. T'aurais pas dit, ils auraient rien vu. Oui, j'aurais pas dit, vous auriez rien vu. En fait, non, je voulais vous dire, ça y est, la fibre est finie, les deux couches de peinture sont mises. Je vais faire tous les joints partout, là-haut. La peinture que j'ai mise, c'est de la peinture nuance, en fait, spéciale gros travaux, tout ça, c'est en promo, mais les pots, ils sont déjà assez chers. Et je regrette parce qu'elle fait plein de micro-fissures. Et là, j'ai pas mis le déshumidificateur en route. J'ai vraiment laissé sécher. Ça a mis genre une journée, deux jours à sécher tranquillement. Et il y a quand même des micro-fissures. Ouais. Et dans... Oh non, non, mais dans Captain, j'avais mis de la Deluxe Valentine.
et il n'y avait aucune micro-fissure. Donc voilà, bon à savoir hein, si ça peut vous aider. Sachant aussi que celle que j'avais mise dans Captain, c'était de la satinée et elle était limite brillante, facile à nettoyer. Celle-là, c'est censé être de la satinée et c'est bien marqué satinée. Ouais, c'est vrai. Et on dirait que c'est de la matte. Il n'y a aucune brillance. Donc peut-être qu'il y a un défaut dans la peinture, j'en sais rien. Mais voilà, sachez que cette peinture-là, j'en suis pas content. Et je pense que je vais tout repeindre après avec des autres couleurs, en fait. Hein, pas bleu ou rouge, hein, voilà. Avec des couleurs un peu plus neutres, mais qui a un peu plus de couleurs que du blanc. Et je reprendrai de la Dulux ou vraiment une peinture de bonne qualité. Limite un peu, vous savez, plastifiée, mais facile à nettoyer et surtout en satiné. Voilà, satiné, c'est limite brillant et mat. C'est un peu granuleux, vous voyez ce que je veux dire, c'est mat. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais. Hein. Voilà, et donc après, je vais pouvoir faire les deux cloisons de chaque côté et venir installer tous les sommiers qu'on a déjà. On a même les matelas et les petits pour endormir dedans. Non, je rigole. Tu as cru. Hein. Voilà. Ça fait pas rire. J'ai pas de tasseau, donc je pense que là, je vais vraiment les découper dans le grand bastin, en fait. Voilà. De toute façon, il servait pas à grand chose. Ouais, non, il servait pas à grand chose, heureusement qu'il y a. Alors, pour les joints, j'ai décidé de mettre de la PU. C'est de la colle PU, en fait, tout simplement, les cartouches de chez Action, qui coûtent 2,99€, quelque chose comme ça. L'avantage, bah, c'est que c'est super costaud, ça va si bien en intérieur qu'en extérieur, et c'est que ça peut être peint. Et surtout, ça a une élasticité qui est assez bonne, et qui va durer dans le temps, voilà. C'est quelque chose qui va pas fissurer, parce qu'il faut pas rêver, le bois, il va y avoir plusieurs contraintes, hein, avec la température et aussi avec les contraintes de caisse. Donc la PU va très bien pour faire ça. Pour faire un joint super propre, il n'y a pas besoin d'utiliser des milliers de techniques, des milliers de produits miracles. Vraiment, ce qu'il faut, c'est doser. Voilà, il ne faut pas mettre trop de joints à la base. Il faut essayer de faire un cordon le plus lisse possible. Là, c'est vraiment facile avec le pistolet à colle électrique. Voilà, si vous mettez un tout petit cordon, dès le départ, vous serez tranquille. Ensuite, vous venez passer un petit coup avec votre doigt ou avec une petite cuillère, un petit outil exprès. Et voilà, il ne restera pas grand-chose. Si vous mettez trop de produits de base, votre joint sera pas joli. Et vous pourrez utiliser de l'eau savonneuse, n'importe quel produit, ça changera pas le problème parce que vous aurez mis trop de produits à la base. Voilà mon petit conseil du jour. Alors là, il nous fallait des tasseaux de 3 cm sur 3 cm. Et comme on n'avait rien et que les magasins sont pas ouverts et que de toute façon, on peut pas en avoir, on a décidé tout simplement d'en découper dans un gros bastin qu'on avait déjà. Donc on les découpe une fois dans leur tranche, 3 cm. Ensuite, on les remet sur le champ et on se redécoupe des tasseaux de 3 cm. Voilà, système D et c'est nickel, ça fonctionne plutôt bien. Et on arrive à faire vraiment quelque chose de propre. Tout le monde est au boulot, Jean-Philippe est en train de raboter les tasseaux pour que ce soit joli, que ce soit bien lisse. Et Charlotte s'est mise au travail aussi, elle nous coupe les tasseaux et Théo les ponce derrière pour que moi je puisse les installer. Une vraie équipe de choc tout ça. Yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby, see yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, six flags, ballin' like. Voilà le moment tant attendu. On a commencé à mettre les parois, donc c'est vraiment du provisoire. Hein. Faut que je colle et que je visse. Là, je voulais vraiment me mettre en simulation. Non, je voulais vraiment me mettre en situation réelle, voir ce que ça fait. Donc, on a été chercher un petit matelas. On a mis deux sommiers. Tu as réussi à mettre les deux sommiers. Ça a été. Attention, Lucas, Julia, tu vas pouvoir aller dessus si tu veux. Mais avant, tu me laisses installer, d'accord? Et tu te nettoies les pieds. D'accord, papa. Ah, les matelas, ils sont plus larges que les sommiers. Ah, il va falloir refaire de la couture. Oh, non. Ah, Charlotte, tu vas être trop contente. Même plus grand en l'air qu'en long. Ouais? Non. Ah, c'est bizarre ça, on avait pris pareil pourtant. Oh non. Bah, c'est pas grave, c'est juste pour essayer. Voilà. Tu frottes tes pieds, tu montes un peu, tu frottes tes pieds parce qu'ils sont tout sales. C'est parfait? Ouais. Ouais? Et ici, on peut mettre. Donc ça? Non. Ça sera des meubles pour ranger vos affaires. Alors ici, les vêtements. C'est l'espace qu'ils auront chacun dans leur lit. Donc tu vas descendre et Théo il va essayer comme s'il était dans son lit aussi. Bon alors c'est nickel? Vas-y moi faut que j'essaye. Ouais ça va? Bon c'est un lit, c'est juste pour dormir on va dire. Mais regardez même un adulte, ça va quoi? À l'aise? Oh les matelas comment ils sont super confortables! Eh ben franchement moi je dis c'est pas mal, regardez. Pour vous donner une idée je me mets comme ça. Après c'est des lits pour enfants, c'est pas des lits pour adultes. Mais moi un truc comme ça je peux dormir à l'aise.
C'est la hauteur qu'on a à peu près dans une capucine, hein, comme je disais la dernière fois, dans un camping-car, vous n'avez pas beaucoup de hauteur, à part les grosses capucines qu'ils font maintenant. Hein ? C'est comme dans une capucine de C25, les anciens camping-cars, c'est pareil, là, c'est la même hauteur que dans les Autostars, on va dire. Donc vous voyez, je peux même me retourner, hop, je peux dormir sur le côté, je peux encore me retourner. Non, non, franchement, c'est nickel. Bonjour tout le monde, vous avez vu, il pleut, il fait pas beau ce matin. Ils annoncent ça toute la journée et normalement, ils annoncent beau, fin de semaine, à partir de mercredi. Donc voilà, ça va. Moi, j'ai une petite journée de boulot ici. Allez, peut-être 2 jours si vraiment je prends mon temps pour mettre les lits. Donc vous avez vu, on a essayé, ça fonctionne super bien. Jean-Philippe, il a découpé les tasseaux, c'est impeccable. Charlotte, pareil, les a redécoupés, on les a poncés, tout ça. C'est nickel. On a fait un test, ça va. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est continuer à mettre les tasseaux pour les autres étages. Et ils sont déjà tout prêts. Donc j'ai plus qu'à les visser, coller. Tout sera vissé, collé. Les sommiers seront vissés avec quelques petits points de colle. La PU aussi, pour éviter que ça grince. Parce que les enfants, ils bougent beaucoup dans la nuit. Aussi, je voulais vous parler de la fibre. J'ai beaucoup de questions où on me dit « Pourquoi tu as mis de la fibre, Jérémy ?» Alors, si j'ai mis de la fibre, c'est pour ne pas peindre directement le bois. Ça fait une petite couche de protection supplémentaire. Ensuite, ce qui est bien avec la fibre, c'est que c'est pas épais. Donc, j'ai gagné. J'aurais pu mettre un lambris bois ou un lambris PVC, mais j'ai gagné en fin de compte. J'ai gagné peut-être 2 cm sur toute la largeur. Il faut qu'on arrive à gagner d'espace dans toute la caisse. Donc, rien que 2 cm en largeur, bah, c'est déjà beaucoup. Et voilà, c'est un petit détail qui fait que... Ensuite, la fibre, c'est très résistant, c'est facile à poser et c'est facilement, entre guillemets, réparable parce que si on met un coup de crayon ou on fait un coup, on remet un petit coup de peinture par derrière et c'est reparti. Voilà. Et c'est facilement modulable par la suite. On peut changer les couleurs comme on veut dans le temps. C'est ça qui est pratique. Avec du lambris PVC, c'est pas évident. Si vous cassez une latte, c'est pas évident à changer. Le lambris bois, c'est lourd, ça grince et c'est pas évident non plus à changer une fois que c'est posé. J'ai pris une fibre à maille très serrée, ce qui fait qu'elle a un aspect assez joli en fait. Et il me restait de la grosse fibre avec une maille assez grosse qui n'est pas très jolie, mais comme les magasins sont fermés, j'ai fini avec la fibre dans toutes les chambres, avec la fibre de moyenne qualité, on va dire. Et au final, ça se voit très peu parce qu'il va y avoir des meubles et surtout après, ça sera dans les lits. Donc, c'est pas bien grave. Alors les enfants, vous trouvez ça comment? Bien. Alors Théo, il a 4 cm en moins. On n'avait pas compté l'épaisseur des sommiers et des lattes. Mais je m'en fiche. Donc il a 4 cm en moins en hauteur. Après, ça reste des lits. Hein. C'est des lits capsules. On va appeler ça des lits capsules. Ils ont une grande armoire quand même de l'autre côté où ils pourront même ranger quelques jouets. Ils vont avoir chacun une prise, un interrupteur, une lumière. Voilà, et Lucas, c'est celui qui a le plus haut en fait, je sais pas pourquoi, lui il a 45, les autres ils ont tous 44, et lui il a 41 Théo. Voilà, donc c'est cool, ils sont bien, les matelas sont super confortables, les sommiers aussi, je pense qu'il va y avoir quelques lattes de cassé. Je pense qu'il va y avoir quelques lattes de cassé quand même. Après, ils paraissent pas épais, mais une fois dessus... Mais en fait, c'est des surmatelas en fait, hein, et voyez ouais, mais t'as vu quand on les a défaits pour les couper, et du coup, il y a deux...
Il y a deux épaisseurs. Il y a du dur ici, puis il y a 2 cm. Et en tout, ils font 6 cm. Et après, c'est du mémoire de forme. Voilà. Je me suis posé dedans, ce que nous, on peut se poser. On s'est mis à deux avec Charlotte dedans. Et franchement, nickel. Et ça fait trop du bien au dos. J'étais comme ça. Ah, mon dos. Ça faisait trop du bien. Voilà. Bah, on va vous faire voir d'ailleurs. Et puis, on va se quitter. Regardez. Moi et Charlotte, on monte dedans. Bon, c'est moins facile quand on va tout en haut. Vas-y, Charlotte. Voilà, les lits sont finis. Impeccable. C'est trop génial. On vous fait des gros bisous et on vous dit à jeudi pour la prochaine vidéo. En tout cas, nous, on est trop contents. Parce que bah, ils seront mieux là quand même que dans une tente de toit sur un petit 4x4. Et on va pouvoir faire pas mal de balades avec ce véhicule. C'est génial. Hein ? Tout le monde est content ? Oui ! Allez, gros bisous à tous ! Bye bye ! Bisous, bisous ! Cet été, le camion sera fini cet été. Oui. Quand il y aura des moustiques et qu'il y aura des guêpes qui piqueront, quand il fera chaud. Et papa, il te promet qu'il t'emmènerait voir des girafes et des éléphants. Même pour des cadeaux dedans les magasins. Ouais, ouais. De quoi ? Même prendre des cadeaux dedans les magasins. Non, pourquoi tu veux prendre des cadeaux dans les magasins ? Papa, il t'a dit qu'il t'emmènera voir les girafes et les éléphants en Afrique. Et les singes. T'es contente? Oui. Ouais, toi aussi. Tout le monde va t'aller.